Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est du français. On va faire de la lecture. Est-ce que vous avez ce document-là? Non. Cherchez bien dans vos cartables parce que je vous ai déjà remis ce document. Chaval, est-ce que tu l'as? Non. Je cherche. C'est quelle page, monsieur? C'est à la page 29. C'est à la page 29 et on va lire. On va lire, s'il vous plaît. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. On arrête, s'il vous plaît. On arrête. Et puisque vous n'avez pas le goût de faire de la lecture aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la décoration pour Halloween. Donc on va décorer la classe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est une activité plus fun, non? Ouais. Ok. Alors, il faut aller chercher les décorations. Qui est volontaire pour ça? Moi. Mais c'est au sous-sol. Non. Mais pas tous en même temps, là. Personne ne va aller au sous-sol? Non. Là, je vais choisir quelques élèves qui vont y aller. Par hasard. Je vais choisir au hasard. Alors, je vais choisir Kimberly. Toi aussi, Jérémy, tu vas y aller? Comment? Mais parce que tu dis à chaque fois que tu gagnes rien. Michael, toi aussi tu vas y aller. Levez-vous s'il vous plaît. Je vais vous donner cette torche. Voilà, Michael, tu es responsable de cette torche. Parfait. Ça ne se brise pas, s'il te plaît. Allez. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Tintin, nos parents. Il y a 3 jeunes qui sont disparus dans l'espace d'une semaine. Ils ont jamais su ce qui est arrivé. Ils ont juste trouvé un vieux masque de clown. Un masque de clown, comme ça serait peur, hein? Pas concentré du tout? Qu'est-ce qui se passe, les filles? Où est Michael? Il est disparu. Il a disparu. Comment ça, il a disparu? Il est disparu.